Hello tout le monde, c'est Miss Love Angel 1990, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien la forme, moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode horror show, mais cette fois-ci sur le jeu Spooky House of Jumpscare. Ce jeu est sorti le 28 juillet 2015 et il est édité et développé par Lag Studio. Donc vous pouvez retrouver ce petit jeu sur Steam qui est 100% gratuit. Donc le jeu est très simple, vous êtes dans un château où il se met pas mal d'embûches et pas mal d'ennemis qui vous barrent la route. Vous avez 1000 pièces dans le château et il faut en sortir et arriver jusqu'à 1000 pour sortir de ce château machiavélique. Mais avant d'aller plus loin, je vous lance un petit avertissement comme je fais dans toutes mes vidéos horror show. Je vous déconseille fortement cette vidéo si vous avez des problèmes cardiaques ou pulmonaires. Si vous regardez de votre propre plein gré, je ne serai en aucun cas responsable de ce qui vous arrive. Donc écoutez, nous allons lancer le jeu tous ensemble et découvrons un petit peu ce qui nous attend. Donc voilà, ça c'est les contrôles. Bien sûr, vous pouvez jouer au clavier, qu'au clavier souris, bien sûr, pas de manette. Donc move, ok, look, c'est avec la souris, activer, donc ouvrir les portes, c'est E. Sprint, shift, use weapon, left click, ok. Allons-y. Ah, voilà, c'est un peu... Ah, je vous laisse écouter. Ok. Ah, la musique là qui est bizarre. Donc, je ne pense pas qu'on pourra aller derrière. Bien sûr, c'est la sortie. Ce n'est pas la fête. Donc, allons-y. Allons de pièce en pièce pour avancer. Hop. C'est un jeu old school, hein, vous voyez, hein, les graphismes. Ça peut être surprenant. Il peut y avoir des jumpscares qui apparaissent à tout moment. C'est aléatoire parce que, pour vous dire la vérité, j'ai testé le jeu de mon côté. Je suis arrivé jusqu'à la 250e porte. Et ça se corse pas mal quand même. Il y a des ennemis et tout ça. Hop. Sixième. Oh, ça va. Au début, c'est assez rapide, hein. Mais heureusement qu'il y a des salles où vous pourrez sauvegarder tout simplement. C'était un jeu que j'avais entendu beaucoup parler. Que j'avais regardé quelques vidéos dessus. Je dis ah c'est sympa, c'est mignon comme tout en plus. On regarde un petit peu les alentours. Je me suis dit allez pourquoi pas faire une petite vidéo dessus. C'est pas un jeu qui est inconnu. Hein. Hop, on regarde. Par contre... J'ai augmenté le volume du jeu hein, pour vraiment vous imprégner dans l'ambiance du jeu. C'est le but. Ah, vous voyez, il y a plusieurs portes. Vous avez un choix en fait. Dans le jeu, soit vous choisissez la bonne porte et il n'y a pas d'ennemis ou vous n'avez pas trop d'embûches. Soit vous choisissez la bonne voie et il n'y a pas d'ennemis du tout qui vous poursuit derrière. C'est très morbide. C'est super. J'espère que le rendu de la capture sera bien. Pour l'instant... Pas trop de jumpscare. Ah, je crois avoir choisi la bonne voie. Ah, vous voyez, là, il y a une porte. Là aussi. Et là aussi, bon. Laquelle choisir, les gens? Laquelle? Bon, tant pis, je vais prendre celle-là. Ah, ça a l'air bon. Ah, déjà, la 20e porte. Et on continue. Ah, l'OST derrière, elle met bien en stress. Hop. Ah oh mon dieu. Mon dieu seigneur. C'est pas horrifique, mais pour vous dire, voilà, ça met bien dans l'ambiance. Vous voyez, vous attendez pas quand le jumpscare arrive. Par là. Bon, on va aller par là. Hier, je me suis régalé en... Oh là là, mais mon dieu. Oh là là. Je déteste avoir un choix entre les trois portes. Bon, on va prendre celle-là.
à la 50e porte, il me semble que vous avez... vous avez... une sauvegarde. Ah, j'avais pas ça hier. Quand j'ai testé. J'avais pas cet embranchement-là. Bon. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et en plus, j'avais moins de jumpscare avant la 50e porte. Bon. Et on ouvre. Ah. Ils sont surprenants, ces trucs. Ça, lors du montage, je vous ferai la traduction. Hein. Ça parle du château en question, ce qui vous attend, ce qu'il faut faire. Un petit peu la trame scénaristique. Pousse-toi, s'il te plaît. Merci. Oups, je suis bloqué. Je vais reculer. Ah. Vous entendez derrière, on dirait qu'il y a quelqu'un qui marche ou je ne sais pas. C'est étrange. Quatrième. C'est pas mal pensé ce petit jeu. Je trouve que l'idée est pas mauvaise du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que quand même pour arriver à la millième porte, ça risque d'être compliqué s'il commence à y avoir des énigmes, etc. Donc je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo horror show, hein, bien entendu. Oups, j'ai approché trop près de la porte. Je vais prendre celle devant moi. Ah, il y a un tableau. Ah, c'est plus joyeux déjà, on va dire. On dirait une personne au coucher de soleil. Ah, des fois, il me bloque. Voilà. Celle-ci. Celle-là. Allez, on va prendre celle-là. Ah, mais pourquoi tu me bloques à chaque fois? Encore des choix. Bon, on va aller à celle-là, vu que j'avais pris celle de devant moi. En plus, on m'avait demandé de faire cette vidéo. Quand j'avais posté screenshot de ce jeu sur ma page privée. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et c'est assez connu, comme je vous ai dit. Je me suis dit, allez, je me lancerai à l'aventure et je testerai ce petit jeu sympathique. J'avais du mal à décrocher hier, en plus. Pour vous dire... Ça va, les jumpscares, ils se sont calmés. Ah, encore des tableaux. Je regardais un peu autour de moi, hein, comme ça vous regardez aussi en même temps. D'accord, c'est juste déchiré. Bon, il n'y a pas tellement grand-chose pour le moment qui se passe. Ah, voilà, ça c'est la save room, comme j'appelle ça. Donc vous voyez, ah, il faut vraiment être bien en face. Attendez, hop, voilà. Donc ça va sauvegarder la partie, donc si jamais je perds, je reviens au niveau 50. Donc ici c'est pareil, je vous traduirai, il n'y a aucun souci. Lâche le papier s'il te plaît. Voilà, nickel. Ah, il est trop mignon. Donc il faut appuyer ici. Et vous allez voir, ça va descendre. Les bruits à l'ancienne. Et vous allez voir, c'est marrant, il y a un petit clin d'œil à Resident Evil quand on va ouvrir la porte. Ça m'a fait marrer. Vous allez voir, hop, on va franchir la porte. Vous avez vu? C'est sympa, je trouve. C'est très sympathique. Donc, continuons. Ah, là, ça commence à changer. Il y a un long couloir sombre. On va courir, parce qu'on sait jamais s'il y a un ennemi, parce qu'il peut y avoir des ennemis. Ah oui, j'ai oublié de préciser en haut ce que c'est. Donc, bien sûr, bien entendu, le cœur signifie la barre de vie. Parce que vous aurez des ennemis qui vont vous faire du mal et qui vous fait bien des dégâts. Et là, la barre verte, pardon, c'est votre barre d'endurance quand vous courez. Hop, voilà. C'est tout simple. Là, nickel. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une bougie, une table, on dirait une prison. Vous avez vu, c'est vraiment pas horrifique, c'est le bruit, en fait, vu que j'ai mon casque sur les oreilles et que j'ai bien augmenté le volume du jeu pour me mettre bien dans l'ambiance et tout ça.
Ben, le bruit, il est plus flippant que le jumpscare en lui-même. Ça, c'est une maison enflammée, on dirait, vous voyez. Donc, on va voir ailleurs. Hop, on ouvre la porte. On continue tout droit. Oh non, pas encore un choix. J'avais pris celle-là, donc on va prendre celle-là. À chaque fois, ils me surprennent. Bon, ça va. Par contre, il faut vraiment être en face. Voilà, je laisse un petit peu pour que vous lisez, mais comme je vous ai dit, je ferai la traduction. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on va. Non, c'est bon, pas besoin de courir, on va être. Bon. Ah. Ça, cette petite flaque verte, ça vous ralentit. Regardez, hop, vous voyez, ça ralentit. Hein. C'est pas des problèmes de framerate, c'est que ça ralentit bien. Et ça pas mal vous semer d'embûches plus tard aussi, parce qu'il y aura des zombies derrière vous qui va vous suivre. Surtout que si ils vous mettent un ou deux coups, vous êtes dead. Oh! Ah! Cours, cours, cours! Cours, 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 vite! Ah non, voilà, vous voyez, ça commence. Ah, vite, 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 vite! Ah non, là, on n'a même pas le temps de réfléchir pour les portes! Soit vous avez de la chance, en fait, soit vous ne l'avez pas. Ah, par contre, là, il ne faut pas lui laisser une seule seconde pour rattraper, sinon c'est la mort assurée. Je sais pas si vous entendez le zombie qui fait... qu'il est en train de mourir. Oh non, pas ici, purée. Vite, vite, vite. Oh non, en plus, sa barre d'endurance, elle se barre à une vitesse, les gens. Je sais pas si vous pouvez le voir. Non, vous pouvez pas le voir. Il doit être au loin, je l'ai semé. Oh non! Non, non! Aïe, 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 aïe! Vite, ta barre d'endurance monte! Oh là là, il est juste derrière moi. Vite, vite, vite! Ah, vite, ouvre! Mon Dieu. Ah! Mon Dieu! Purée, mais c'est pas vrai. Le jeu, il est vraiment... flippant à souhait. On va aller par là. Voilà. Oh, bonjour. Non, ça va, le bruit, il n'était pas trop strident pour les oreilles, on va dire. Oh, quel choisir, purée. Bon, je vais prendre celle-là. Je sais pas jusqu'à où je vais survivre. Parce que hier, arrivé à la 250e porte, j'étais même pas morte. Donc si la vidéo dure une heure... Je m'en excuse, hein, d'avance. Hop. Par où? Est-ce que je peux passer par là? On va voir. Ah, nickel. J'ai trouvé la porte du premier coup. Après, vous allez voir, il va y avoir des énigmes. Trouver le bon chemin, etc. Oh! Ah, stop, ça suffit, votre jumpscare à la noix. Tenez, c'est une très grande surprise. Comme quoi, vraiment, le jeu, il change selon quand vous le lancez à chaque fois. C'est quoi, ça? Je l'ai jamais vu auparavant. C'était pas autant ensanglanté et il n'y a pas de porte. Tiens, et étrange. Je viens de là, il me semble, donc je vais aller par là. On va aller par là, écoutez. Ah, on peut pas? Comment ça se fait? Ah. Bon, bah, on va prendre l'autre chemin, les gens. Hop. Ah oui, c'est bon. Ah, ben je vais vous montrer ici. Si je peux. J'ai entendu un bruit étrange. Non, c'est bon. Ici, c'est des bornes d'arcade. Alors, start. En fait, il faut tuer le maximum d'ennemis pour augmenter la jauge en haut. Bon, c'est assez sanglant, hein, comme vous voyez. Hop. Il faut tuer tous les gens. C'est abusé. Mais en tout cas, franchement, le studio, Lag Studio a eu une bonne idée de créer ce genre de jeu. C'est sympa.
Tour, ça faisait un petit moment que je n'avais beaucoup entendu parler, j'ai entendu que du bien. Je vous laisse écouter l'OST, les gens. Il faut être assez rapide, hein, vous avez vu. Après, je ne sais pas ce qui se passe quand on atteint la barre. C'est spooky, le fantôme. Ce château de dingue, quand même. Ce qui est sympa, en plus, c'est surtout qu'il est gratuit, le jeu. Ça, c'est le gros point fort, parce que des fois, il y a des petits jeux indépendants qui sont payants, et des fois, ils sont pas top. Hein. Et celui-là, il est totalement gratuit. Hein. Vous pouvez le retrouver sur HomeStation, ou soit sur Steam. D'accord, j'ai perdu. Bon. Ok. 27 000. Ok, bon. Très bien, on va tester. Ah, c'est une sorte de Pac-Man, non ? Fait celui-là de mini-jeu. Comment on y joue? Ah, d'accord, oui, c'est une sorte de Pac-Man. Mais là, apparemment, il faut... Comment on fait? On peut pas bouffer les trucs? Je sais pas s'il faut bouffer les fantômes ou peut-être c'est les fantômes. Ah, il faut peut-être éviter le Pac-Man en bas, vous voyez. Je crois que c'est ça. On va voir. Je vais faire attention pour pas me faire bouffer quand même. Laisse-moi tranquille. Mais en fait, il faut faire quoi ? Ah, mais les fantômes me touchent pas. Il n'y a que le Pac-Man qui peut me toucher, par contre. Ah non, même pas. Ah si, si, si. Ah, mais d'accord. C'est à moi de le tuer, le Pac-Man. Ah, c'est juste un niveau. Ok, très bien. Donc, repartons à la suite des événements de ce château. Room, ils disent chambre. Moi, j'appelle ça une salle, moi, mais bon. S'ils veulent. Par là. Ah, zut. J'ai mal placé ma caméra. Là non plus, il n'y a pas de porte, donc ça va être certainement par là. Comme tout à l'heure. Zut, pardon, excusez-moi. Et on avance. Oh ! Oh là là, stop ! tout droit, on va aller. Oh non. Non, pas ça, purée. Je vais aller à droite. Je vais aller à droite, on verra bien. Ah, voilà, ici, c'est un code. Vous entendrez un indice sonore pour vous dire si le code, il est bon ou pas. Donc, on va aller tout droit. Là, c'est bon. Non, là, c'est pas bon. Bon, tout droit. On va aller à gauche. Non, c'est pas bon. Tout droit. Non plus. Bon, on va aller tout droit. À droite. Peut-être tout droit. Oh là là. Ah, nickel, j'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est assez brumeux, vous voyez. Un canapé bizarre. Ah, c'est quoi ces gens? Ah, il me dit quelque chose, ça. C'est pas un youtubeur? Autant c'est un youtubeur, je ne sais pas. Ça doit être certainement des youtubeurs anglais. Non, là on peut pas y aller par là. Ah, elle fait froid dans le dos cette musique en fond. Par là, on va aller par là. Certainement qu'il y aura la porte. Non, même pas. Ah, purée! On va aller par ici. Et on ouvre la porte. Ah, encore un code. Non. Non plus.
Non, purée! Là. Tout droit. Peut-être tout droit. Non plus. Vous voyez, c'est vraiment aléatoire. Tout droit. Gauche. Ouais. Nickel. Vous voyez, c'est de la réflexion aussi. Il faut vraiment réfléchir au niveau des salles, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut procéder, etc. Ah, c'est pour ça que c'est vraiment très bien pensé. Ça, c'est pareil. Encore une traduction. Je vais m'amuser au montage. Comme ça, vous comprendrez ce qui est écrit. Pose le papier. Merci beaucoup. Tu avances. Merci. On va bientôt arriver à la scène. Purée de Dieu. Ah, mais je vais pas arriver à m'y faire. Les gens, c'est tellement aléatoire, les jumpscares, qu'on sait pas quand ça arrive. On continue. Je veux au moins arriver à mon objectif 250. D'accord. Bon, là, il n'y a rien. C'est bloqué. Déjà, j'ai de la chance parce que je n'ai pas rencontré d'ennemis. Donc, ça veut dire que j'ai choisi les bonnes portes. Parce que ça se peut aussi qu'ils vous suivent jusqu'à la save room. Le monstre, il peut vous suivre jusque-là et vous semer d'embûches. Par là. Encore deux petites salles et on arrive à la save room. Ah purée, la barre, elle s'en va trop vite. Ah, ben voilà, on arrive à la same room. À nouveau. Vous voyez, c'est tout le temps la même salle, bien entendu. Donc, on va sauvegarder. Sait-on jamais si on perd. Bon, c'est une petite phrase. Lâche, merci beaucoup. Et on descend. Il n'y a rien autour? Non. Le chat, il est trop mignon. Ah, on est arrivé. Déjà, qu'est-ce qu'il y a ici? On va le savoir de suite, hein. D'accord, ça a changé d'élément. De décor, plutôt. J'avais plus d'ennemis que ça dans ma précédente partie. Pour vous dire alors, c'est que j'avais pas fait les bons choix. Alors que normalement, au contraire, quand je parle et tout, quand je fais une vidéo, je suis pas très concentrée. Et là, apparemment, j'ai pas eu trop d'ennemis, si ce n'est que le zombie de tout à l'heure. Bon, c'est les mêmes bandes d'arcade. Ça ne sert à rien de les refaire. Je vous ai montré. Là, il n'y a rien. Ah oui, là, il faut faire très attention parce qu'il me semble qu'on meurt si on tombe dedans. Ah là là, purée. Je vais prendre la droite. Et on rentre dans la porte. 111. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Des chaises. Un tapis. Pas grand-chose pour le moment. Est-ce qu'il y a une porte autour de moi? Et je pense que non. Donc on va aller là. Encore les bornes d'arcade. Bon, c'est sûr, ça se répète un petit peu. Mais bon, le décor, il change. Ah, qu'est-ce que c'est ça? On dirait de la fumée étrange. Ou de la brume. Et ça, c'est le même tableau qu'on a vu tout à l'heure, un petit peu déchiré. Ah non, encore un code. Tout droit? Non. Ah, tout droit. Ah non, je vais aller à gauche après. Tout droit peut-être? Oui! Nickel! Je vais aller à gauche. Non, ça va, il n'y a pas d'ennemis derrière. J'écoute bien les bruits sonores parce que ça entend comme ça. C'est pas bon. Faut vite courir. Ah, il y a encore du texte. Il y a encore du texte. Il y a encore du texte, nickel. Ah, on dirait un laboratoire. Et il y a des portes. Bon, on va prendre celle-là. Ah, c'est fermé. Donc, on va aller ici. Hein? Ah, d'accord. J'ai... Ah, c'était cassé. Ah, il y a une carte.
Et il y a un document. Ah, là, il y a une carte ici. Je crois que ça sert à ouvrir la porte. Voilà. Carte qui. Ok, il y a du sang. Ah, c'est étrange. On va reculer un peu parce que quand on tombe fausse dessus, c'est pixelisé. En même temps, c'est. C'est un peu des graphismes old school, c'est un peu normal. Donc, on peut aller à la porte où. C'est quoi ce bruit? Bon, non, rien. Ça m'a fait baliser pour rien. Ah, il y a encore. Il y a beaucoup de documents. Ça parle beaucoup de ce château. Et là, ça parle du laboratoire. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. On continue. Hein? Ah! Mon Dieu! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! 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 Vite! 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 On s'en va! On s'en va! S'il vous plaît! Non! Mais mon Dieu! Il est pas droit cet imbécile! Non, pas par là! Vite! Vite! Parce que lui, par contre, il va pas attendre 3 jours pour m'attraper! Vite! Avance! Mon Dieu! Oh non! 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 Stop! Stop, 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 fous-moi la paix. Avance. Oh purée, il est juste derrière moi en plus. C'est stressant. Cours, 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 cours. Cours, 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 cours. Dépêche-toi. Ah non. De toute façon, là, j'ai pas le temps de réfléchir. Sinon, il me tue. Ah, je crois que je l'ai échappé. Oui, je l'ai échappé, nickel. Ouf. Ouf, ouf, ouf. On va continuer. Oh, faut contourner ça, sinon on meurt, comme je vous ai déjà expliqué. Bon, là, on peut avancer tranquille. Vous avez vu, quand il vous met des gifles, quand même, il vous fait perdre pas mal de vie. Ah, avance, s'il te plaît. Merci. Des fois, c'est... Oui, il y a des lags. Pas des lags, des bugs. On peut se retrouver vraiment bloqué. Des fois, ça peut arriver. C'est pas bien grave. 133. Ah, là, j'ai le temps de réfléchir et de prendre la bonne porte. Hop. Je vais prendre celle-ci. Peut-être qu'elle va me porter chance. Encore une porte? Non. Ah oui, il n'y en a qu'une. Je croyais qu'elle avait plusieurs. Par là. Encore un choix. On va aller ici. Oh. Ah là là, mais... Oh. Bonjour. On continue. 141. Il n'y a pas de document. En cours. Pour l'instant, ça va. Mais bon, il y a encore pas mal de pièces à traverser. Hein. Je pense pas qu'on va arriver au 1000. Parce que hier, j'ai pas mal lutté quand même. Dans la chambre 250, il y a pas mal d'énigmes. Il y a plus d'ennemis. Et en plus, il y a un ennemi que je suis pas arrivé à éviter hier. Il était assez étrange. C'est vrai qu'après, ça demande beaucoup de réflexion de comment on peut faire pour éviter tel et tel ennemi. Là, on va dire que c'est que le début. Tout droit. 145. Allez, 146. Ça va. Vous voyez, ils sont tout mignons, mais c'est le bruit. C'est le bruit, les gens, qui me fait plus flipper qu'autre chose. 149. Ah. Ah ah, ça sent pas bon. Oh. Bonjour, il va me sauter à la gueule. Vous allez voir quand je vais. Ah. Ah, c'est Studio Labs. Lab Studio. On va sauvegarder. Il n'y a pas de texte? Non, nickel. Bon, bon, on va descendre. Et go jusqu'au niveau de Sam. Moi, je dis niveau, même si c'est pas des niveaux, mais bon. Eh ben pour l'instant pas de game over les gens, c'est une bonne nouvelle. C'est une très 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 bonne nouvelle. Je crois que ça va être l'un des épisodes horror show qui va être le plus long.
J'espère que ça vous ennuiera pas. Mais ça valait le détour de vous faire une petite vidéo dessus. Ah, ça a à nouveau changé le décor. Ça, c'est original parce qu'il y a certains jeux indépendants qui sont faits tellement à la feignasserie, on va dire, et qui changent pas du tout les décors et que c'est tout le temps la même chose. Ça, c'est sympa, par contre. On va prendre cette porte. Tout droit. Avance, merci. Par contre, ce couloir, il y est toujours dans le jeu. Enfin, comme moi, je suis montée au 250e. C'est quoi ce bruit? Non. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un petit lag. Je croyais que ça, c'était en train de charger un mob ou etc. C'est possible. C'est bon, j'ai trouvé le bon chemin. Ça, c'est une bonne chose, encore une fois. Hop. Je regarde bien dans les alentours, hein, parce que après vous aurez beaucoup besoin de clés, tout ça. Pour l'instant, il n'y a rien. Oh, un lustre. Et autour de moi, il n'y a rien. Donc, quel chemin choisir? Je vais prendre à la droite. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon aussi. Au niveau... Ah. Non, ça va. Ah, encore un code. Tout droit. À gauche. Non. Avance. Ah, nickel. Bah, je suis chanceuse pour ça. Apparemment. Donc, où je vais? Bon, je vais aller tout droit. Oui, de toute façon, la porte, elle se trouve ici. Mon Dieu. Oh là là, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Foutu jumpscare. Ah. On va fouiller un petit peu. On dirait un petit peu un collège, c'est ce que j'allais dire. Un collège un peu étrange. Est-ce qu'il faut chercher quelque chose? Je me rappelle même plus. Non, je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que des ennemis dans les salles. Donc je sais qu'il faut aller par là, tout droit, pour continuer. Parce que j'avais fouillé toutes les salles et je me suis fait avoir en plus. Hein? Ah non. Ah non. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! On le voit même pas! Ah oui, c'est une sorcière, mon Dieu! Ah là là, mais c'est pas vrai. Vite, 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 avance, avance, avance. Ah, reste pas bloqué, vite, 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 vite. Oh là là, quand il y a ça qui vous poursuit derrière, comme c'est stressant, nom de Dieu! C'est stressant, bordel! Ah non, elle est là! D'accord, t'es trop gentil, mais attends, moi je suis le chemin et tu fais même pas le tour, ma grande. Avance, avance, avance. Parce qu'elle me met une gifle, par contre, elle me tue. Donc j'ai intérêt à me dépêcher. Vite, vite, vite. Ah, vous voyez, il faut vraiment. C'est la course contre la montre. Hein. Déjà, au clavier souris. D'accord. Je m'y attendais, je m'en doutais un petit peu. Qu'il y a un truc qui allait arriver. Je me suis un peu entraînée au clavier souris. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie de faire un gameplay catastrophique. Ça va, je me débrouille. Elle est toujours derrière moi. Oui, elle est toujours derrière moi, purée. Tu vas me lâcher? Bon, stop. Avec vos jumpscares qui font pas peur et qui sont surprenants, bordel. Ah, elle va encore faire le tour. Ça va. Vous voyez un petit peu, quand je me fais pas toucher d'un bon moment, ma barre de vie augmente. Enfin, elle remonte plutôt. Oh, purée. Vite, vite, vite. Allez, ma barre d'endurance monte. Elle est juste à côté. C'est où? Par là. Oh non! Non, 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 non. Ça, c'est salaud, ça. C'est salaud, les gens. Ils vous ferment la porte à clé dans la tronche. Franchement, c'est dégueulasse, je trouve. Ah, mince, je suis pas assez près. Est-ce qu'elle est toujours là? Ah, purée, mais elle lâche pas l'affaire, purée. Oh, 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 doucement. Hein?
D'accord. J'ai traversé la porte pourtant, mais bon, je ne comprends pas pourquoi ça. Là, je suis. Désolée du mot, mais je suis sur le cul. Vous avez bien vu, j'ai traversé la porte, mais elle m'a quand même eu. Bon, les gens ils se sont plaints un petit peu qu'il y avait des problèmes, des petits bugs, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un jeu que je vous recommande chaudement, hein, parce qu'il est gratuit. Franchement, il est très sympathique. Pourquoi pas me dire si vous souhaitez sur ma page Facebook ou en commentaire sous cette vidéo jusqu'à quel niveau vous êtes arrivé. Si vous voulez tester ce petit jeu, je vous mettrai le lien dans la description. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, si vous voulez jouer sur Steam, il vous faut un compte. Hein, c'est gratuit aussi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, ben écoutez les gens, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo horreur show. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout les gens, portez-vous bien, c'est important dans la vie. Allez, bye bye!